Moi décidé faire émission ça moins anticipé. En pile nèg pral fâché mais malheureusement, c'est problème ça n'ga fait. Moïse Charles m'a parlé avec vous, si vous senti jodi an la baga la cap pas facile nan mon ou senti corps antigen crasé matin an, fait exactement ça corps mandé a. Moïse Charles m'a parlé avec vous. Moi conseillé nan manifestation ça cap fait là dans la coupe Port-au-Prince là. Pas mettre point de pied ou la donne. Moi conseille ça. Moi que t'es monsieur, m'a parlé exactement dans sac pral fait jodiant là. Parce que n'a fait plusieurs rencontres. En tout premier lieu, il a infiltré manifestation là, Moïse Jean-Charles. Je suis désolé. Et deuxièmement, monsieur, il a pral utilisé plusieurs tactiques pour démobiliser moun sa yo. Et troisièmement, mesdames, messieurs, si vous êtes présent, Moïse, il faut être prudent puisque il y a gros menace qui fait sous même. Moi, j'ai une analyse que m'tap fait pour monsieur ça qui c'est Anel Bélisaire que en pile moun geti différence avec monsieur ainsi que moi-même avec en pile l'attitude m'a dit ça. M'te prend le soin pour m'te expliquer. Il y a des moments où il m'a dit un retrait tête chargée. Il y a des moments où il m'a dit un petit temps bien calme, bien cool. Mais malheureusement, mesdames, messieurs, mes frères et chers amis, hein, monsieur ça a décidé en quelque sorte lui-même de faire ça le capable. Il est allé, et non seulement il a eu des difficultés, et lui-même personnellement, tout, il a eu de grandes difficultés parce que la gala pas trop facile pour lui-même. Moïse Charles prévoit faire manifestation ça jodi an. Gan pile moun ki mobilisé. Même bral fait m'a essayé expliquer nous ça pral passer ou bien ça bagay yo ye. Ou ça di yo. Peut-être que bon Dieu gen pa bay possibilité ak nèg yo pou faire ay yo jan ou vle. Bral essayer di nous effectivement ki ça bagay la. Mesdames, messieurs, il y a une guerre qui a fait entre Moïse Jean-Charles et plusieurs autres secteurs politiques. Et ils ont décidé, malgré tout, pour faire mouvement parce que Moïse Jean-Charles vient dans une équipe puissante ces derniers temps. Et c'est puissant par rapport avec mouvement comme sur Feyo, où constater une foule tout à fait immense qui a essayé d'émerger partout et ailleurs pour montrer que Moïse Jean-Charles, c'est une très bonne personnalité. C'est un homme tout à fait cohérent et son monde qui a en pile intérêt dans Jean Bagayo Pralia, il y a des démarches qui se posent faites. Donc mesdames, messieurs, c'est ça comme aventure avec Moïse Jean-Charles. Mais du fait, on va l'expliquer nous, yon bagay là qui pral permettre que ou dit tout quelque chose de très bizarre ou quelque chose de très simple. Qui sacrifie Moïse Jean-Charles? Monsieur tellement monté le puissant. Manifestation que tu réussi dans le Noah. N'ayez à l'informer, effectivement, majorité moun, pour ne pas dire 95% moun, c'est des mouns qui étaient allés dans la manifestation gratis. Et m'a dit ça, logiquement, mesdames, messieurs, Moïse Jean-Charles a même tendance la valasse là. Et ça fait madame qui était allé parler en pile là, m'a décidé de pas faire émission avec elle, parce que m'a rendu compte que c'est ton bagage personnel. Ok? Et m'a pas parlé de moun personnel. Et problème ou 15 ans fonctionnant au monde et puis on décide on l'a quand même et on décide pour des trois petites raisons ou pas bah elle a avancé. Donc mesdames, messieurs, sacrifié Moïse Charles met moun yo dans la rue
Mais majorité moun kal la manifestation y aller effectivement pour la vie chère, pour dollar, pour un paquet l'autre bagaille. Donc c'est comme ça bagala te vinye. Mais qui sak pral poser l'autre problème encore? Qui sak pral bay analyse moi fait là importance. N'a yo décidé jodi an yo distribuer l'argent. Et chaque fois petit Moïse Chal pas droit aller dans manifestation ça ou bien pas ta droit. Ou faut monsieur ta informer avec moun yo que yo même yo pas voyer un petit paille sur aucune entreprise. Et matin personnellement monsieur te doit entrer dans la presse pour le dire effectivement toute bagaille a fait. Mais nous pas faire un ni deux ni trois. Faut que monsieur te passe une instruction formelle pour l'un qui infiltre à essayer faire l'obé tirer sous banque voyer roche sous banque casser tête moun craser vite machine pour yo même yo pas tomber sous monsieur. Est-ce que m'vin paraître comme un protecteur pour monsieur qui au fait nous estimer qui a fait un travail pour l'instant au cas dissolve. M'a pas proposition pour moi Jean-Charles pour me dire mon cher monsieur pas ministre intérieur. J'ai pas ceci, le passé là. D'ailleurs, je me toujours aimé dire ça. C'est une classe politique qui a échoué. Et n'a a échoué dans tout le monde. Soit vous bluffez, soit vous volez, vous avez tout l'autre défaut. Donc, vous échoué. Mais ça n'a pas empêché que, certaines fois, ça nous retrouve comme qualité qu'à un monde, nous pas profiter de lui-même pour nous capable permettre que bon développement fait dans le pays. Parce que nous avons besoin de ça. Haïti besoin, on est même s'il se bluffer, nous prenons le casser colpi devant, mais ils font premier pas ou bien la fait quelques pas qui capable permettre que Haïtien avancer par devant pour faire bagala très très bien. Donc mesdames messieurs, Moïse Jean-Charles qui est entré dans logique a fait deux mouvements. Li pata dwe la manifestation je dis parce que y a pe filtre. OK? Y a pe filtre. Et puis tout monsieur t'a supposé faire attention pour la ville. OK? Si monsieur t'a supposé faire attention pour la ville. Parce que n'est pas quand même monsieur. Et m'a dit ça logique, il paraît logique un petit peu sensé plus. On nèg qui gon ministère n'a bataille contre lui et nous on ont tigé en bataille contre nous. D'ailleurs, moi Jean-Charles madame mesdames, messieurs, moi m'tab dit ça avec un confrère hier. Son nèg peut pas faire confiance. Parce que silence n'en fait plus bruit que moun k'ap fait bruit. Parce que n'en fait bruit ou ka sene qui sort de son, qui sa k'ap fait, qui sa k'pral fait. Maintenant silence là, ou logiquement paraît comme moun qui pral avancer. C'est ça que fait moi-même. Maptan, yon ramené la vache autour. Pas oublier nan nord. Il y a plusieurs potentiels candidats. Chansi, Yuri la tortue, mais qui déclaré qu'il s'est ennemi maintenant de tout l'autre qui candidat derrière. Et surtout, nous connaissons, mesdames, messieurs, Yuri la tortue, c'est une tête bien faite. Il y a tout problème avec monsieur, mais c'est bon exo. Son nez qui maîtrisait la politique haïtienne. Peut-être que Réunion doit prendre le coup, prendre le fini, parce que je sens que c'est un gros problème. Mais il fait. Donc, mesdames, messieurs, je fais émission ça même avant manifestation. Moïse Jachal doit être prudent aujourd'hui même. Même avec ses alliés également, pour bien net parti politique là, puis on pas justifier tout ça au dit de lui-même. Donc, dans silence là, bon, mais donc, c'est capable
une journée triste. Bon Dieu béni. Faut-il donner nous gagner avec nous donc sénateur et Joseph Lambert qui faut-il donner attends une minute. Donc qui déjà souligne en ligne avec nous en bas. Donc sur la proposition donc du Sénat dans un moment côté que n'a pas Haïti a traversé une grave crise politique. Sénateur Lambert, bonjour, bienvenue à l'émission En débat, comment vous? Bonjour, me saluer nous toutes et me saluer peuple haïtien. Je ne sais pas longtemps que je ne vais pas parler de la radio. Très bien. Je ne vais pas faire aucune intervention. Correct. Parce que en tant que homme d'État, nous croyons que faut toujours quitter les initiatives qui prend au niveau des grands acteurs politiques, des grands groupes politiques, des hommes et des femmes politiques de ce pays, pour yorek dans telle mesure capable d'essayer créer, je dis bien créer les conditions d'un véritable dénouement à cette crise. On a fait dit un, il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs appels qui fait, nous tendez et nous ouais des propositions qui fait de rassembler de Jean Bonnier Alexandre. Nous ouais que il y a des initiatives qui prend tout au niveau de la diaspora et bon document en ce sens qui arrive joindre nous. Et nous féliciter au passage nos amis de la diaspora qui ont consenti des sacrifices énormes pour essayer, eux-mêmes, à leur niveau, de arriver quand même dégager et un consensus autour de propositions que vous faites. Toujours est-il, n'a dit tout que dans l'intervalle, ces derniers temps, j'ai participé à plusieurs rencontres avec X, Y et Z, dont on choisit pour ne pas citer nom. Très bien. Mais on choisit tout pour nous dire que nous rencontrons tout avec des grands groupes politiques, qu'il s'agisse de Solide, qu'il s'agisse de Kadowa, qu'il s'agisse des acteurs non alignés, qu'il s'agisse aussi de Montana, qu'il s'agisse de Penn, et qu'il s'agisse de l'accord unitaire d'Haïti et autres. Mais le Sénat a voulu prendre cette distance par rapport à ces initiatives des politiques et des organisations de la société civile, et nous avons aussi reçu une correspondance du groupe des entrepreneurs et haïtiens, et ça nous aurait des secteurs privés, hein, qui au même tout dit ça aux pensées et fait mea culpa pour le bon côté paio et mandé secteur politique et secteur social et tout fait mea culpa paio tout bon côté paio et plus particulièrement mandé exécutif là tout qui en place ça fait mea culpa paio pour essayer de joindre on dénoue. La réalité, c'est que il y a des propositions tout qui viennent des sénateurs. Très bien. Et il y a le sénateur Dumont qui lui-même écrit président Sand en sens là. Et il y a un sénateur Kidley Augustin. Okay. Qui il en est de même pour le sénateur Sildor qui a adressé mon correspondancier et en proposition. Mais on a dit que le Sénat, à date, en tant qu'institution, n'a rien proposé encore. Ok, c'est ça, depuis que ça clair pour nous. Maintenant, les propositions existantes, c'est des propositions de sénateurs. Yo. Par exemple, proposition sénateur Sidor, là, c'est proposition Sidor. Proposition et sénateur Patrice Dumont, c'est proposition Patrice Dumont. Proposition et Kédel Augustin, sénateur Kédel Augustin, c'est proposition sénateur Kédel Augustin. Donc, c'est pas la proposition du Sénat. Non, ce n'est pas encore la proposition du Sénat. Okay. C'est la proposition et des initiatives des sénateurs qui ont, de certains sénateurs, et individuellement, et qui ont choisi d'attirer l'attention du président du Sénat sur la nécessité de proposer une solution à la nation. Très bien. Et je ne vous dis pas, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les revendications fusent de toutes parts et manifestations griefio ou joigno à travers les rues, à travers des manifestations de rue, ou joigno à travers des barricades et autres, etc. Et ou joigno tout à travers des menaces et parfois violentes ou bien des menaces voilées que fort malheureusement que dont je déplore et certaines. Mais je dis l'impératif pour que nous comprenions et que face à
cette situation délétère. Il est impératif que le Sénat, en tant qu'institution, lui-même tout, lui tendait l'autre monde et comprenne et tout secteur, toute tendance confondue, pour que définitivement nous, ouais, qui ça, au moins nous capables d'essayer, créer comme initiative, avec des mots, un insecte, si je me dis ça, faire de telle sorte qu'on encourage cette initiative et bah, on sens à revendication yo, à recommandation yo et à un possible solution consensuelle. Et c'est pour cette raison que ma occasion pour me dire que nous avons entrepris des démarches là auprès de l'autre pouvoir en d'un pays là, pour nous capables de jouer un espace qui est suffisamment sécur pour que le Sénat est bien capable de réunir et analyser toutes recommandations et propositions pour que définitivement le Sénat capable lui-même faire une proposition alternative. Donc en fait, à partir d'un fusionnement de ces trois propositions, à partir de analyse nous, de ensemble documents que trois sénateurs proposés, à partir de analyse nous, de ensemble initiatives et recommandations qui faites par les grands groupes signataires d'accord, comme Montana, PEN, Solide, Accord Unitaire d'Haïti. Et autres, etc., le secteur privé des affaires, pour que définitivement on puisse au moins essayer avec les acteurs internationaux, avec et la complicité, je dirais, positive, hein, je dis bien, oui, j'insiste là-dessus, la complicité positive, des acteurs internationaux, pour nous-mêmes en tant qu'instance légitime, qui gagnait jusqu'à présent mandat populaire et jouit de prérogatives constitutionnelles malgré limitations nous, malgré et faiblesse nous. Mais pour nous que au moins nous pas quitter question traîner. Oui, mais sénateur Lambert, on a donc l'impression que les accords ne tiennent plus. C'est comme d'ado pas gain accord encore, parce que quand même nous passer un an et APC jeune un fusionnement des accords, n'est pas possible. Est-ce que là nous va pas aller vers une entente au lieu de accord? Écoutez, il faut de toute façon une entente. Une entente entre les différents groupes, parce qu'à l'intérieur, l'intérieur des accords, il y a quand même des éléments positifs que d'un côté comme de l'autre nous a tiré pour nous fusionner et pour banon. Pour Banon, ça me décarrelé, pour retirer Scorio, et puis Banon, on produit acceptable et un produit qui permet à la nation de continuer à fonctionner dans la sérénité, dans le calme, pour atteindre les objectifs dont tout le monde voulait atteindre, qui s'alliaient, un retour à la stabilité politique et à la normalité institutionnelle à travers, bien sûr, des élections acceptables, crédibles et inclusives. Voilà, nous-mêmes, moi-même, en tant que président du Sénat, c'est à ce stade que je me situe et c'est à nous autres aussi de comprendre la nécessité de l'heure pour consentir des sacrifices de part et d'autre. Il ne faut pas qu'il y ait à la fin ou bien au bout de chemin, il ne faut pas qu'il y ait ni de vainqueurs ni de vaincus. Il faut que Haïti soit au centre de nos préoccupations, au centre des débats, et que Haïti soit le dénominateur commun pour tout un chacun. Voilà. Ok, Jodia, en nous gardant la réalité, donc, sénateur Joseph Lambert, il y a donc une date limite des Nations Unies de au Premier ministre Ariel Henry qui c'est le 17 octobre. Pour ce mois de septembre 2022, quand même, il faut qu'il y aille. Donc, sur la tribune des Nations Unies pour parler en fait de l'état de la nation. Et nous, t'as censé à deux doigts de yon éclatement social parce que, ensemble de manifestations de oui qui a fait tout côté dans le pays, et vous comprenez que je dis, là, moun kap gade, et nous pas trop loin de yon éclatement. Maintenant, comment ou même aborder la question ça si t'arrivons bagay après? Est-ce que nous-mêmes nous réfléchissons pour l'après Ariel, si entre guillemets t'as un éclatement et que l'état a obligé de quitter le pouvoir? Écoutez, nous avons dès le départ. Parce que ça, c'est très important, sénateur Lambert, parce que on a commis l'erreur avec Jovenel Moïse.
ceux-là qui étaient en fait dans l'opposition en face du président Jovenel Moïse, il n'y a pas de complot clair. Et nous voyons ça qui passait. Mais parce que l'après Jovenel Moïse n'a pas été planifié. Maintenant, avec Ariel Henry, qu'est-ce qui est prévu pour l'après? Exactement. L'après Jovenel Moïse, c'est un bagage imprévisible. Là, maintenant, nous n'avons cas d'espèce où on peut prévoir. On peut prévoir ce qui pourrait se passer après, bien sûr, l'obtention d'une entente. Ok. Eh bien. Alors, tu vois, m'a tout profité et utilisé pour une entente là. Avec Ariel Henry ou bien sans Ariel Henry? Écoutez, nous sommes des fils et des filles d'une même nation. Eh bien. Et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que dans la recherche d'une solution, l'on pense à tue-tête, à la logique de « au toi que je m'y mette ». Eh bien, eh bien. Je suis partisan qu'il y ait ce que je pourrais appeler un juste équilibre, un juste milieu qui permette à l'État et à la nation de fonctionner et qui permettent aussi à l'État d'atteindre les objectifs que doit fixer Biden dans toute transition. Eh bien. Dans toute transition, ce qui est important de faire, et c'est dommage qu'après 14 mois, rien n'a été fait en ce sens, ou bien très peu d'initiatives ont été prises en ce sens. Eh bien. Parce que le rôle de gouvernement de transition, surtout et avant tout, c'est de travailler un retour à la normalité institutionnelle, faire de telle sorte qu'il y ait des élections légitimes, transparentes et que tout le monde puisse y participer sans inquiétude, sans a priori, et que le meilleur gagne et que les institutions démocratiques puissent recommencer à fonctionner. Mais aussi avec cette situation qu'on a vécue un peu avant Jovenel, qui s'est empirée après Jovenel parce que les gangs contrôlent maintenant presque tous les pans du territoire, eh bien, je ne veux dire, non quoi que la question sécuritaire, eh bien, les doit à l'ordre du jour. Mais la question sécuritaire, sécurité physique et autres, etc., dont tout le monde parle, eh bien, bon, l'autre insécurité qui est plus grave toujours, c'est la sécurité alimentaire. Eh bien. Parce que nous ne connaissons pas combien de monde qui mourit dans le bourgeois, je veux dire, combien de monde qui mourit la caillou, et exemple, les clés, même monde qui sont contre l'État, en prison, l'État va cabal manger, il a mouru dans la prison. Dans l'espace de 15 jours, il y a 8 personnes qui mourent dans la prison Jacques Mel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que de qui ça a mouru? Il a mouru de grand goût. De la faim, oui. Lors d'une situation comme ça, les gens qui parlent dans la prison en lui-même, eh bien, m'a dit en toute sincérité, alors que les gens qui sont dans la prison, on doit le manger. Alors que les gens qui parlent dans la prison, on pas doit le manger, et le pas qu'il manger, et maintenant, il devient chimère. Et lors d'une situation comme ça, c'est une situation incontrôlable et il faut éviter qu'il y ait ce que mon ami et Hannibal Kofi répète souvent, qu'il y ait une poussée historique incontrôlable et que tout le monde qui a toujours parti dans la rue et puis dit « n'a pas cherché tel ». Nous pas trop loin de ça, non, sénateur Lambert? Ah oui, c'est la poussée historique et c'est ce que moi personnellement, moi crains et c'est pour cette raison que mon discours en tant qu'homme d'État doit être toujours un discours apaisant, mais un discours apaisant, mais un discours dur aussi de ceux-là qui aujourd'hui doivent impérativement consentir le sacrifice nécessaire pour essayer de créer les conditions indispensables à la recherche de ce consensus tant souhaité par plus d'un. Très bien. Très bien. Voilà. Vous avez rencontré le secteur privé des affaires. Qui est sa principale préoccupation par vous? J'ai parlé au téléphone à un bon nombre d'amis du secteur privé des affaires. J'ai rencontré M. Bossan, j'ai rencontré M. Edidib, etc. Mais aujourd'hui, quelque part dans la capitale là, nous avons une rencontre officielle. Avec les signataires de la note du secteur privé, ce que relève groupe entrepreneurs et hommes d'affaires et autres, etc. Eh bien. C'est l'occasion pour me tendre, pour me comprendre. Et c'est l'occasion tout pour que je garde droit de manger, ou même je garde droit de manger. Et puis pour me dire, Haïti, que nous avons gardé là pour nous toutes,
eh bien, faut nous faire bien attention parce que personne ne va épargner lorsque poussée historique ça a amorcé. Eh bien. Alors, c'est peut-être l'occasion de faire, de voir entre les politiques et les monde qui dans économique et monde qui dans social, eh bien, pour faire, ça me déclarer les blocs ont l'idée pour que vraiment on recherche l'équilibre nécessaire pour nous conduire sur le chemin de la stabilité appropriée pour la tenue des élections, et ceci dans le plus bref des délais. Eh bien, sénateur Lambert, si situation était gênée là, et nous sommes arrivés au deuxième lundi du mois de janvier, ça va pas passer? Bon, c'est le chaos total, parce que tout le monde vient de dire, et c'est ça, oui, que tout le monde veut comprendre. Est-ce qu'on comprend? Et c'est ça pour tout le monde veut comprendre. Est-ce que ne pas combattre là pour faire passer le temps, pour justement bon. Nous arriver dans le deuxième lundi du mois de janvier? Hein? Mais ça, le monde, ça, c'est des mondes qui sont anti-peuple ou bien anti-pays. Peut-être qui ça? Parce ça, c'est très important, c'est notre Lambert. C'est notre Lambert, c'est soit qui va, imbécile qui va prendre. C'est ça, très important. Est-ce que là, tout, est-ce que, parce que nous, ça, on a ici fait déjà. Il y a quitté temps passé, parce que le temps c'est très important en politique. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche là pour faire temps passer pour nous arriver dans le deuxième lundi du mois de janvier avec justement la situation qu'il a? De toute façon, m'a dit où, Sordia, et pas premier fois, m'dandil, depuis sous 5 premiers mois l'année, Amdandel. OK. Laissons les choses traîner en longueur, laissez passer le temps, et un jour viendra où il n'y aura plus de lits légitimes et où je ne vous dis pas n'a plus seul le basse-cour. Eh bien. Ah, mais faut faire bien attention parce que lorsque le basse-cour et puis bien tout dans tuyau et puis gros serpent entrer dans tuyau. Ah, mon cher, c'est pas manger le dernier monde qui est dans la basse-cour. Ça dit là, sénateur. L'on est tout dans le tuyau. Et puis, quand il y a là, pour gros bois, pour camper dehors. Et puis, on est tout dans le tuyau là et pour faire mettre tout seul dans la basse-cour. Ah, ben, mon cher, je dis, on ne peut pas avoir personne pour quand dans la basse-cour a chance. Oui, mais. C'est ça que ça nous évite que, je ne vous dis, pendant que pour qu'on ait tout, parce que l'on veut ou non, je dis à Sénat de la République, les 10 élus légitimes constituent une soupape de sécurité encore pour la démocratie dans ce pays. Hein? Et deuxièmement, l'irrité, un outil de référence à partir duquel on est capable de chiter sur lui pour que au moins on légitime un consensus. Je dis bien légitime un consensus. Je dis à. Si nous trouvons au deuxième lundi de janvier sans que nous parvenions à joindre un consensus légitime et inclusif, eh bien ce sera le chaos total. Et c'est justement ça que nous craignons, pour que nous ne trouvions pas dans situation et puis pour qu'on y ait là autant de tout le monde. Ah, dit tout le monde a perdu. Dans tout le territoire, là, on se l'a dit, on a le cherché un tel. Et ce sera la période de 1987, la grande période où moi songé, Monseigneur Jérémie t'a dit rachetement York, baille tes blanches. Eh bien, alors oui. Là, nous ne sommes pas capables de contrôler. Il est temps que nous ouais question sans que nous pas boucher genoux, sans que nous pas dire que nous prenons drap ça pour nous couvrir pieds nous, parce que drap ça n'a intérêt. Monsieur, pas de drap encore. Ouais. Drap déchiqueté, pas de drap pour couvrir pied moun encore. Drap, pas de drap encore, drap plein tout. Quel que soit j'en couvri quoi, il y a pour être pied ou. Quel que soit j'en couvri quoi, il y a pour être dos, il y a pour être estomac. Alors, ma paix dit que, il est temps que, je ne vous dis, que ce soit les tenants du pouvoir, que ce soit ceux-là qui sont dans l'opposition, et m'a recommandé qu'il n'y ait pas de discours crasé, brisé, parce que on a déjà tout détruit, il ne reste plus rien maintenant. Et le minimum que nous gagnons, c'est pour nous préserver. Et deux, nous croyons que le grand temps pour que les leaders du Nord, de l'Artibonite, de l'Ouest, du Sud-Est, de toute la Grande-Anse et du Sud-Est, etc.,
eh bien, que les détenteurs des accords eh bien, trouvent l'entente nécessaire à travers ces accords, et ceci, même avec ceux-là qui ne disposent pas d'accord, mais trouver le minimum à offrir au peuple haïtien. Pour moi, Marc, disons qu'en toute sincérité, il n'y a pas d'issue et il n'y aura pas d'issue avec un pouvoir hégémonique contrôlé par un seul secteur et un seul groupe. Il n'est pas capable de conduire nous dans l'élection, il n'est pas capable de nous stabilité que nous besoin. L'idée générale que je voudrais bien prôner aujourd'hui, si nous parlons, on débattre en catastrophe, eh bien, c'est de faire de telle sorte que qu'il y ait un win-win, un juste équilibre, un juste milieu pour conduire le pays vers le chemin des élections. Ben, ok, alors, Joselin Tidogon, qu'on question pour avant aller, sénateur Lambert, et puisque nous pas qu'à compter, alors l'équipe qui l'a montré que nous pas qu'à compter sous bonne volonté, yo, bonne foi, yo, est-ce que nous pas envisager et faire un bagaille, et m'a dit même Jean Théier au lendemain, on dit quelques semaines, quelques jours même après l'assassinat de Jovenel Moïse, côté te gon gros, vraiment un gros consensus qui te joigne avec le Parlement, te gon vraiment un pile secteur qui te rejoigne nous. Est-ce que ou pas envisager marcher contre un paquet de secteurs, notamment ensemble de monde qui était dans l'accord en septembre nan, qui vient quitter et l'autre secteur qui est en face yo, pour au moins nous bon bagay qui clair, yon proposition qui clair, yon alternative qui clairement est énoncé, et puis pour nous capable proposer, parce que nous pas jusqu'ici équipe qui l'a pas montré que nous capable compter sur bonne foi. Abdou ça en toute sincérité, l'exidor. Si dans une quinzaine de jours, parce que le pays n'a pas qu'à attendre encore. Bien, pas qu'à attendre. Ouais, si dans une quinzaine de jours maximum, et je dis bien maximum, pas de entente qui joigne entre le pouvoir exécutif qui vient pour obligation pour chercher un accord, c'est lui qui doit partir à l'aider un accord. Et s'il n'a pas qu'à joindre, le Sénat en tant qu'institution légitime va essayer de consulter underground les différents secteurs de la vie nationale et proposer une alternative à la population haïtienne. Et la, quelle alternative sera imposable à tout un chacun et au peuple haïtien? Vous êtes devant ça longtemps. Le peuple haïtien a marché des alternatives là, advienne que pourra, et le Sakounia là, les tenants du pouvoir, a choisi pour mettre les âmes dans la rue, la mettre l'autre bagarre dans la rue pour tirer sur le peuple là, parce que l'alternative viendra des élus du peuple, avec le peuple et avec les différents grands secteurs et grands groupes et grands leaders de la vie nationale. Merci en plus, sénateur Joseph Lambert. Merci beaucoup, et c'est cette proposition que je vais formuler auprès des honorables sénateurs, entre autres, hein, c'est cette proposition entre autres que je vais formuler auprès des honorables sénateurs d'ici demain ou après-demain. Les Merci. Sénateurs, j'en profite pour dire aux sénateurs que, en attendant que nous ayons OK côté où qu'on est pour nous rencontrer, ils sont convoqués demain à compter de 11h, dans côté où qu'on est. Eh bien. Merci bien. Merci en pile, sénateur Lambert. Nous te comptons pas la voix matin. Merci en pile. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci en pile. Monsieur le sénateur, quelques sénateurs qui paient blanc, par le chita, par le caché, en bas carbone. T'as quoi été fait déjà? Vous comprenez? Vous équipe sénateur Loukodesi, sénateur Lambert prend décision pour la rentrer dans le palais. Vous équipe qui courait le cachet en bas cabane. En tout cas, ce qu'il faut retenir, madame, monsieur, dans cette intervention du sénateur Lambert, si la situation est l'irrité Jean-Lié là, jusqu'au deuxième lundi du mois de janvier, ce sera le chaos. Okay? Ce que le sénateur Lambert n'a pas dit. Depuis le chaos, donc ce sera donc l'occupation. Ça va pas la donne. Ok, blablabla qui était nous là, fait ma cac depuis combien de temps, a fait chouette manger terre depuis combien de temps, et puis on a nous pensé, après 2 ans lundi du mois de janvier, nous allons gagner contre la situation encore. Bien que blanc, okay? Participer, nous faire manger terre. Non, mais non, justement, parce que faut que le climat non là. Ça, c'est un. Deuxième bagage que vous nous retenez, c'est que le sénateur Lambert, clair, si dans 15 jours, il va être 15 jours, si ça qui est là comme situation, il n'est pas résolu, ou du moins, pas grand entente, ou du moins, par contre, consensus
qui dégageait entre l'exécutif également, donc la classe politique haïtienne, pour sortir de crise, le Sénat pral prend une décision, ok, dans 15 jours. Et là, ça, décision pral prend, il pral imposable à tous. En tout cas, à bon entendeur, salut. Donc, on a prétendu pour nous, ok. Mouvement qui est dans la rue et okay. Dans Mirbalet. Manifestation dans Mirbalet, ça c'est un info qui est sous table, madame, monsieur. Donc, sous table, matin débat. Et Haïti politique, mardi 6 septembre 2022, grande journée de mobilisation à Mirbalet contre la vie chère, la rareté du carburant sur le marché local et la mauvaise gouvernance. À quoi peut-on s'attendre? On a donc déjà sur la ligne l'ancien député Abel Décolline. Député Décolline, comment vous bon, bonsoir Louko, bonsoir Esaü, Josué, Lexidor, Pierre Martin, à toutes. Ben nous contents pour nous intervenir, nous mis en balai là, dans le cadre d'une grosse marche pacifique, une grosse manifestation, particularité qui gagne dans le mouvement, qu'on a aujourd'hui à la et Louko et tout payant, c'est que mis en balai le plateau central, ben, en une seule voix, à travers toutes nos tables, toutes leaders, pendant ma parole avec nous là. Moi gain à côté moi l'honorable sénateur Grégory Chevry, okay. Gagne plusieurs autres leaders qui présent là, ben c'est au mouvement pour nous dire l'état campé là parce que nous avons l'état zombie, nous avons l'état complice, nous avons l'état irresponsable. Donc journée aujourd'hui c'est un début de mouvement, début de révolte même si ça fait dans tout pays. Donc vraiment moi même moi sous béton avec population, accompagner population. Moi, content pour moi là, parce que j'aime dire nous, c'est dans l'unité. Bien et bien. Bon, passer sénateur Grégory Chevry qui lui-même voulait parler avec le pays. Bien. Bonsoir, bonjour. Grégory Chevry, où t'es dans s'appelle là hier? Est-ce qu'on satisfait de réponse population? Oui, m'a dit bonsoir d'abord à tout le monde qui est dans le studio, avec tout le monde qui a pouté la joie. Qui a pouté la joie dans le moment ça. Effectivement, il y a un député de Colline sorti nous là. C'est le premier jour, mouvement plateau central là, okay. Qui dérape ici dans Mirbalet. Mouvement pour demander l'État pour le camper là. Camper là, c'est toute dérive qui est là. L'État reste avec là. Nous demandons pour le suspendre sous confion blanc. Nous bouquons. Nous demandons pour le camper là. Nous estimons que au moins l'État a des oreilles pour le tendre. Et s'il ne peut pas attendre tout, dans le jour qui vient, nous allons déraper l'opération pour nous camper l'État. Parce que nous ne pouvons pas tout le temps. Nous, on a pas de l'État campé là. Parce que côté nous viennent pas si loin encore. Nous ne pouvons pas payer d'aujourd'hui à côté de campé là. Dans le cas Foupéric, c'est $300. Chauffeur taxi moto a payé galon gaz. Et on va pas joindre ça plus grave là. Le soir disant dit, l'école bras ouvert en octobre. Il va trouver en septembre. Qui ça l'État fait pour l'école ouvert en octobre? Majorité maman, parents qui retiennent l'école, canet dans la direction de l'école nouveau. Et pourquoi on connaît si tout le monde réussit, s'il va réussir? Et le programme l'école pour l'ouvrir, première semaine, mois d'octobre. Comment on va l'ouvrir là? Mais c'est ça de faire, nous-mêmes, responsables, nous-mêmes, jeunes dans Mirbalet, nous-mêmes, nos tapes dans Mirbalet, nous venons demander l'État ça pour le camper là. Et ma pouvez dire encore, nous devons faire tout le temps pour le faire là. Son premier signal, nous voyons, et depuis, on va écouter nous allons déclencher l'opération pour camper l'État ça. Très bien. Donc, opération camper l'État, vous voulez dire fermer tout bureau? Donc, opération camper l'État. Allô? Non, opération camper l'État, ça veut dire c'est fermer tout bureau. Allô? Député de Colline. Député de Colline, où là? Député, allô? Où là, député? Allô? Difficile, faut nous faire très attention. Et bien, Mirbalet, dans ce moment-là, donc rentrer dans la bataille-là. Donc, c'est la première grande manifestation de toute une série qui annonçait donc dans Mirbalet pour et contre la vie chère, contre l'insécurité et contre la mauvaise gouvernance, contre également la rareté du carburant donc sur
le marché local. Oui, oui, et est-ce que alors, avec, faut nous rappeler que Miambalé il rejoint un ensemble de villes. Correct. Et tant coup Oka, Pokay, Petit Gouave, Jacques Mel, et Jacques Mel qui ou même Jérémy Gounaïve qui était déjà lancé. Correct. Et ensemble de mouvements de protestation aussi là. Député de Colline, est-ce que la police avec nous? Non, ça c'est Grégory, il est là. Oh, Grégory. Oui, la police a combattu nous. Il y a la police dans cette manifestation, il y a la police qui derrière. Okay. Et deux bonnes manifestations. Moi, j'ai un gros coup de chapeau pour la police nationale. Très bien. Ok, qui destination nous dans Mivalé? Là, dans qui zone nous et puis qui va nous aller? Actuellement là, après que l'autre bord la source, okay. On va aller pour nous monter directement dans Rukapoa. Okay. Ensemble avec on l'autre porte-parole, mouvement. Mais oui. Et nous tout connaît là, c'est Mazarin. Mazarin. Oui. Pour le banou parcours. Très bien, très bien, très bien. Merci Louko, merci équipe Matin Débat. Monsieur c'est Miambalé qui branchait émission ça. C'est ça. Et nous remercions nous de ce que nous permettre à ce que plus monde connaît mouvement ça que nous relais mouvement camper l'État. Louko, Jean-Grégory Sotdil, Jean-Décoline Dili, eh bien mouvement nous aller comme monde avisé parce que nous faisons bataille déjà, nous prenons coup déjà, nous gagnons dans deux niveaux. Nous gagnons un mouvement, c'est-à-dire conjoncturel, qui a marché vers un mouvement structurel, côté que nous allons arriver pour nous déclencher, c'est-à-dire, attendez, une opération